Melvin Peabody? Lui-même. J'ai l'insigne honneur de diriger ce pénitencier. Sur ordre du gouverneur, nous vous remettons le détenu le plus dangereux et le plus impitoyable de tout le continent du Nord canadien jusqu'au Rio Grande. Le prisonnier est désormais officiellement placé sous votre responsabilité. Allez les gars, on plie. Bien, bien. Emmett, Pete, ouvrez la boîte. Je vous prie. C'est ça! Ouvrez cette boîte à sardines qu'on découvre la terreur! Waouh! Cette sardine doit être énorme! Ah! Une momie! C'est pas une sardine, c'est une crevette! Bonjour, je m'appelle Jenny. Attendez, là, c'est quoi? C'est une blague? T'as perdu ta maman? Et ta poupée, elle s'appelle comment? Guili, guili, guili. Ah, ma poupée! Je veux ma poupée! Rends-moi ma poupée! Oh, prends-lui sa poupée, tu vois bien qu'elle est triste. Celui qui touche à ma poupée, je le piétine, je le démolis, je le retourne comme une vieille chaussette. Bouh! Je suis mort de peur! Écoute bien la morveuse, on est les Dalton, à nous quatre. Enfin, moi seul. On a volé autant de banques que j'ai de poils de moustache. Alors tu nous dois le respect! Tout bien réfléchi, cette gamine mérite peut-être sa réputation. On la loge pas d'une semelle, et si elle s'évade, on la suit! Et la nouvelle, c'est pas le jour de la douche aujourd'hui, hein? Il n'y a plus qu'à suivre Miss Squat. Tiens, il pleut! Allons, c'est un robinet mal fermé! C'est sûrement un piège diabolique pour empêcher les profanateurs de pénétrer dans la crypte secrète. Ces Égyptiens, ils sont trop forts. Tu sais, monsieur, j'ai pas peur. Moi et ma poupée, eh ben, on se bat toujours. Mais aussi vague pas du tout. On se balade dans la tuyauterie comme ça, histoire de s'aérer. Tu veux un bonbon? C'est quoi ce bruit? Je répète pour que ce soit bien clair, je m'évade toujours. Joe, on perd notre temps. Ça fait des heures qu'elle joue à la toupie. Non, elle prépare un plan pour s'évader. Je le sens. Qu'est-ce que je disais? Allez, tous avec Miss Squint. Suivre cette momie dans les catacombes, c'est de la folie. Hein? Ah! Youpi, youpi, youpi! Vous êtes où? Aïe, 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 aïe! Je sens leur odeur. La momie à couette a dû les enterrer ici. Nous sommes libres! Chef, les visages pâles ont fait un énorme trou dans votre parcours de golf. Quoi? Flèche, tomahawk et club de golf, à volonté! On trouve une ville, on vole deux ou trois banques, on dépense tout dans un saloon et on recommence. Y a plein d'oiseaux dans le ciel! Tous aux abris! Mais ça suffit! Laissez-moi tranquille! Ah!
de m'embêter, j'ai changé d'avis. On dirait que vous vous émaudrez avec moi, d'accord? Tu parles si on est d'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire? On monte sur ces gros ballons et on saute. On saute de plus en plus haut et hop, par-dessus les murs. Génial. Allez, on saute. Hop, 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 et on est dehors. Mais ça fait pas un pop hop, ça fait tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Je m'évade toujours seule. Comment on va faire pour trouver un plan d'évasion maintenant que Jenny est partie? On n'a pas besoin d'elle pour s'évader. On peut très bien y arriver tout seul. Distribution du courrier. Un colis pour les Dalton. C'est Jenny. Comme je vous aime bien en vrai et que je suis très gentille, je vous envoie un petit cadeau. Bisous, bisous. La clé du pénitencier. Elle est trop mignonne, cette petite. Au secours! Une mini-momie au pouvoir maléfique! Mais revois ça tout de suite! Ici, au moins, elle nous laissera tranquille pour toujours.